pour l'instant ça va, genre c'est pas trop compliqué. Oh my god, my god, c'est pas où là? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 d'Escape Aperture, les amis. On s'était laissé sur une explosion exactement. C'était, je sais pas si vous vous souvenez, c'était Worldley. Voilà, c'était Worldley qui avait fait une explosion qui exactement qui a ouvert un passage derrière nous. Donc, parce que en fait, on était des cobayes, les amis. On était des cobayes, des petites souris. Des toutes petites. Oula, j'ai cassé quelque chose. J'ai cassé quelque chose, ça commence. Donc, nous étions des petites souris. Et donc, Whiteley nous a sauvés. Non. Nous a sauvés. Donc, on avance, on avance. Donc, il faut remercier Whiteley. Alors, déjà, il faut. Oh, une lune. C'est vraiment un complexe vraiment grand. Oula. Ok, donc c'est un complexe vraiment grand, faut faire attention de ne pas tomber et pas mourir. Donc, Whiteley nous propose, voilà, maintenant on continue tout droit jusqu'à cet ascenseur au fond. Faites attention, la hauteur, la chute vous tuerait. Donc, montez au 7ème message. allez au 7ème message, c'est tout au fond à gauche. Ah, ça y est, on prend l'ascenseur, donc on doit aller au 7ème étage plutôt que message. Donc on y va, donc voilà, Whiteley nous avertit que nous sommes confrontés à une je suis pas sûr qu'on ait changé réellement d'étage, mais bon, voilà, Whiteley nous a prévenu qu'en fait on n'était que des petits cobayes, des petits cobos, donc voilà, donc merci Whiteley. Oh, une petite botte, on va y aller. Ouh, allez à droite, c'est le chemin le plus rapide vers le module d'évacuation pour vous faire sortir du centre. Oui, je vais pas aller à droite. On a quoi ici? On a rien. Et ici, on a quoi ici? On a rien non plus. Bah, je visite, je viens de là. Ça peut être sympa de visiter les toilettes. Non, pas les toilettes. Département de recherche, zone 4. Et pourquoi pas? Ok, on a quoi? On a un truc à bouffer ici. Non, il n'y a pas. Ouh, des petits cubes. Des PC. Quand même, ce pack texture est quand même super. Je sais pas si vous remarquez quand même, c'est un pack texture complet. À savoir que ce pack texture est inclus, hein, est vraiment inclus dans cette map. Donc, admis, ok, à docteur, ok. Vous savez, docteur Jefferson, j'ai beaucoup réfléchi à notre dilemme. Ah, il va de soi. Que les no, oh là, c'est ça. Oulala, ça va être long. Alors, est-ce que c'est vraiment utile? Je pense, je vais lire vraiment en rapidité. Alors, je vais vérifier que ce soit utilisé sur tous les objets. C'est ok. Oui, bon, c'est pas non plus. Voilà, en fait, il parle de choses et d'autres, ça nous concerne pas trop pour le jeu en soi. Ça dit simplement, est-ce que notre. Les décisions qui sont prises sont-elles bonnes ou pas? Alors, je sais pas si c'est pas. Tournez à droite dans la salle face à vous. Il est impossible à hacker. Pourquoi c'est ici? D'accord, c'est. Ah, j'ai pas vu. Donc, tournez à droite. La porte de la salle en face de vous est impossible à hacker. J'ai essayé les mots de passe. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, génial, mec. Génial. Génial le mot de passe. Et 1, 2, 3, 4, 5. Mais ça ne marche pas! Bah oui, tu m'étonnes. Ils sont vraiment forts pour créer des mots de passe par ici. Bah ouais. J'aurais essayé peut-être 5, 4, 3, 2, 1. Je sais pas. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Alors c'est quoi ici? Accès à la salle des tests C204. Sécurité zone C et A. C et A. D'accord. D'accord, je sais pas. Le bleu, j'aime bien, non? C'est pas bien, bleu? Vert? Ouais, ça c'est bien, avec un V, comme ça. V, c'est bien, V. On va essayer V.
Salle d'attente d'observation. Observatoire plutôt. Ok, il y a une chambre, il y a une télé. Faut trouver un moyen d'entrer dans cette salle de test. Il y a un générateur de projectiles. On en aura besoin pour sortir d'ici. Allez voir, allez, 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 allez voir dans la salle de contrôle. On ne sait jamais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il faut aller dans la salle de contrôle. On sait jamais. Ok. Ah, quand vous y serez, vous devrez avoir un levier pour de sécurité zone C et A. Et oui, les amis, désactivez-le. Sinon, vous serez détruit en cendres. Détruit en cendres. Plutôt réduit en cendres. À peine entré dans la salle. Je sais plus si j'active ou désactive. Je sais que j'ai touché des trucs. Mais je sais pas si c'est actif ou pas. On va voir. Hein. On va bien voir. Hein. Non? Ça m'a l'air bon. Ah non, c'est pas bon, les amis. Donc C et A. Voilà, ça doit être ça. Oh, un bouton qui sert à rien. Donc on y va, on est retourne. On retourne, les amis, on retourne. Non, c'est par là. Ah, d'accord. J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Ça doit être ça. Hop, ok. En fait, il aura fallu toucher à rien, c'est ça? En fait, ouais, voilà, il aura fallu toucher à rien du tout, oui. Donc, ok, logiquement, le dispositif de sécurité est désactivé. Si. Ok, générateur de projectiles infini. Si. C'est quoi ça? Le projectile. Alors, on va voir. Ok. Ouh. D'accord. Ah, d'accord, c'est bon. C'est très bien. Ça, c'est bon. Donc bravo le sujet de test, et sachez que désormais tous vos prochains tests nécessiteront un générateur de projectiles. D'accord, donc ça se joue un peu à l'arc, un petit peu comme l'arc. Donc on charge un peu le système et... la porte s'est fermée toute seule. Et ça me fait étrange, je vais aller voir. Bon, j'ai trouvé un... Le problème, c'est bien le suivi, la porte est grillée, donc il va falloir trouver un autre chemin. Tiens, je vais essayer d'ouvrir le panneau de contrôle et je ne sais pas ce qu'il y avait marqué. Pour vous faire sortir d'ici, il faudra trouver un module d'évacuation et pour y arriver, il faudra passer par le département zone B. Donc zone A, c'est là-bas. On va à zone B. Ouh. Pourquoi il doit y avoir toujours une porte bloquée? Pourquoi ce serait trop facile? Bah lui, blablabla. Bon, bah forcément, blablabli. Je sais pas pourquoi c'est. On passera par là. D'accord, je vois. D'accord. Ouverture de la porte C4, délai 3 secondes. Alors, si je dis pas de bêtises, la porte C4, elle est là. D'accord, je vois bien. D'accord, ok. Ok, j'étais fait. Ah mince, je suis bloqué. Non, c'est bon, je suis pas bloqué. Donc, je pense que ce. C'est cette porte-là dont il parle. Merci d'ouvrir. Hop, il y a un délai de quelques secondes, c'est ça? On va voir le délai. Ok, on y va. On y va. C'est bon, on a ouvert le passage. Celle de contrôle, porte C4. Ah, c'est pour repasser au cas si on veut repasser, mais je n'ai pas envie de repasser. Je n'ai pas envie de repasser. Changement de plan. Ah mince, la porte est bloquée. Il va falloir passer à l'usine de cubes de stockage testé. Assez fun, d'accord. C'est assez fun. Donc l'usine de cubes de stockage testé, c'est ici. Donc on y va. On monte. C'est quoi? C'est... Ah, ok, c'est un ascenseur. C'est un petit ascenseur. On monte tranquillement. Donc les amis, on attend. Il manque une petite musique. Donc, et voilà l'usine du cube de stockage lesté. Oh, excuse-moi. Excusez-moi, ça va, 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 ça va. Donc, voici, et voilà plutôt que voici, et voilà l'usine de cube de stockage lesté. Oui, rien que ça. Ok, c'est dans ces box que l'on fabrique les cubes. Ils passent ensuite par des rails, patati patata. Ils sont testés pour savoir si le fonctionnement, s'il fonctionne bien. Ben oui, parce que tous les cubes ne fonctionnent pas bien. Et patati, et patata, et tapata, et tatati. Donc on continue, on voit des cubes entre nous. Des cubes entre nous. C'est ce que... Ouh, figurez-vous que j'ai failli décrocher un poste ici. Bah pourquoi t'es pas resté, mec? À l'usinage, mais devinez qui le contremaître a choisi. Vous savez, dans le mille, un de ses clones. C'est un peu bête, c'est vraiment bête si c'est
pas du favoritisme, ça, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Donc, au final, j'adopte le pire boulot. J'écope au pire boulot. Ok, bah oui. Écope, écope, écope. M'occuper des jeux dans le sac d'humains. C'est sympa. Non, c'est pas le gros, c'est vrai. Ok, bon, je m'occupe des humains tout court. Voilà. Bon. On peut imaginer les choses. Voilà, il y a des humains qui servent de test. Et des fois, les humains, ils ne finissent pas qu'en humains. Donc, c'est pas où, mec? Tu veux pas m'aider, hein? Là, si je descends, il se passe rien, je pense. Donc, on va continuer par là. Donc, on est bien vraiment dans une. On va devoir sortir. De la redstone, est-ce que c'est normal? On va prendre le passage, vous devez vous amener à la porte, il faut le mot de passe. J'espère que le son pour vous n'est pas très faux. Ouh, j'ai trouvé un module d'évacuation encore en fonctionnement. Ouais, le problème c'est qu'il se trouve dans la salle qui se trouve. Ouh, elle aura voulu à peine entrer dedans. Ok, merci. Je vais hacker les ordi du bureau pour trouver les informations. Ce serait absent un moment. Allez-y sans moi. Bon, je pourrais aller. Bon, ok. On va y aller sans toi. Je sais pas où trop il faut aller. Je pensais par là-bas, mais j'aime bien aller par là. Ah, encore une. Ouais, on va aller par là-bas. Donc, il y a quoi ici? On a rien. On a juste un truc de. Alors, je sais pas si. J'aime pas avoir de la redstone comme ça, là. Pour moi. Ah, ça y est. Le plus rapide, tourner le pont de maintenance. Coulisses du centre, c'est par où les coulisses du centre? Si c'était là, je dirais. Il n'y a plus rien. Ouais, donc je disais que la redstone, comme ça m'enchante pas. Parce que quand il y a une redstone qui tombe, ça peut signaler que tout bêtement la map elle est cassée. Ça peut dire que la map elle est cassée. Donc, map cassée, map. Hop, petit bouton! Ok, c'est par là. D'accord, ok. Bon, il n'y a plus de redstone. Donc, on va falloir s'échapper, d'accord. Là aussi, il y a quoi d'autre? Non. Peut-être ça. Ok, donc, il va y avoir des repeaters pour activer le système. C'est bon. On est passé de justesse. Bravo le sujet erreur. Donc il faut voir, on va foncer, on y va. Hop, je pense qu'on va faire ça vraiment bête et méchant. Ah bon? Ok, bon ça pour l'instant ça va, genre c'est pas trop compliqué. Oh my god, c'est par où là? J'estime que c'est par là. J'estime que c'était par là. Ok. Oh là là, ça va être. Oh, qu'est-ce que je déteste ce genre de map comme ça là. Ce genre de style de jumpy. Je vois le truc. Je vois le truc gros comme une maison. Il va falloir appuyer là-dessus. Jumper, jumper, jumper. Pour aller à la porte là-bas. J'ai un truc qui est aussi. Ouais, c'est parce que je pense. Il y a un autre bouton là. Ça va être super chaud. Ah, ça commence. Il y a un truc qui m'a gêné. C'est bon. C'est bon. Ok. Là, j'aime pas. Parce qu'il faut aller par où? Il faut aller où là? Oh, me dites pas que c'est là-bas. Oh my god! Yes, les amis. Oh. D'accord. Bon. Bon. Ok. Je sais pas si ça se ref. Ok. Bon, un petit coup de dommage, c'est pas très grave. On avance. On avance. Tac, tac, tac.
On monte tranquillement. On a pu se réchapper assez quand même assez tranquillement de ces de cette jump attitude. Donc station d'accueil 200, porte d'accès de maintenance. Alors vu qu'on va y aller, je pense que ça va être que l'autre côté. Cool, comment êtes-vous arrivé? Bon, c'est pas grave. Quoi? Bah oui, comment vous êtes arrivé? Mais me prends pas non plus pour un naze, mec. Bon, c'est pas grave, j'ai trouvé un moyen d'entrer dans sa salle, mais c'est pas très discret. Ah, d'accord. Donc vous devez vous battre contre hop, je perds pas. Contre pour la détruire. Donc vous devez vous battre pour la détruire. D'accord, c'est pas... Ça me pose pas problème. Quand vous serez dans la salle, oui, je sais, j'ai rien trouvé de mieux. Désolé, voilà ce qu'on peut faire. Vous allez entendre dans la salle de tuyaux de diversité pour accéder dans cette. Ouais, bon, blablabla. Bla, 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 oh là là là. Bon, on va y aller. Non, j'ai pas écouté en plus. Merde. Elle m'a gaulé. Il m'a gueulé, j'avais pas écouté, j'aurais peut-être dû écouter que c'était à gauche. Il a dit. C'est en haut, c'est en bas. Y'a quoi là-dedans? Encore un bouquin? Est-ce que c'est toujours. Non. Ok, résolution du test, d'accord. Non, c'était juste un. Voilà, c'est pour. C'est. Ah oui! Mais c'est pas. Mais attendez, c'est vraiment la salle où on est passé tout à l'heure. En fait, ça c'est pas mal quand même. On voit vraiment l'envers du décor. Oula, oula. On voit vraiment l'envers du décor. Mince, la porte est bloquée. Allez, montez le contrôle là-haut pour ouvrir la porte. Ok. C'est par là, au moins. Non, c'est pas par là. Je pense que c'était par là. Là, il est où la porte de contrôle? Non, c'est par là, d'accord. Allez, on monte. Ok. Hop, système de sécurité. Hop, on descend. C'est vraiment. Oula, c'est par là plutôt. Ok, ouvre-moi la porte. Bien joué, maintenant vous allez tout droit, puis vous tournez à droite, puis à gauche, puis j'ai envie d'aller là-bas. J'ai envie d'aller là-bas, je sais pas. J'ai envie de voir. Pas le temps d'explorer le centre. Faites demi-tour. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Qu'est-ce qui est ici, les amis? Il y a peut-être à bouffer. En fait, je me paumais là. Je sens que je me paumais là. Oh, un gros gâteau. Si. C'est un gros gâteau. Oh, avec un petit cœur et tout. Excellent. Je remets. Bon, j'ai cassé. J'ai cassé, bon c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on continue. On va voir ce qu'il y a un petit peu là-bas. On visite un peu, hein. N'oublions pas. Oh, mais on peut voir, c'est super grand. D'accord, ici c'est une autre salle avec les jumps. C'est vraiment grand. C'est vraiment grand et c'est vraiment intéressant ce qu'a fait le mapper quand même. De mettre voilà en corrélation les deux côtés de la map. Le côté où on était en gaming au début, en phase de test, et l'autre côté un peu bah, des testeurs, hein. Plutôt des observateurs, hein. Donc c'est assez pas mal, ça c'est pas mal d'avoir mélangé ces deux mondes. Donc hop, on revient là où on était, mais c'est une sacrée map, une sacrée grande map, elle est excessivement grande. De toute façon je peux aller que à droite. Ok, on y va. Ok, on y va. C'est par là, non c'est pas par là. Hop 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 hop. Hop, hop. Ah, je suis bloqué. Ok, on n'est pas bloqué, on remonte, on monte. Alors, j'ai le choix. Là, j'ai le choix d'aller par là. Alors, en fait, c'est juste une salle. C'est juste une petite salle. Alors, ça, on va peut-être l'abandonner. Fais le petit pousser, comme ça. Vous êtes plus très loin de la salle des tuyaux de diversité. Allez, allez à droite et cherchez le panneau avec tuyaux de diversité. Salle 1, toilette. Toilettes? Ou c'est vraiment les toilettes? C'est un petit levier. Hop! Donc, salle de diversité. Ok.
Parfait, vous devez prendre la cabine de stockage et entrer dedans. Faites attention, ce n'est pas prévu pour les humains, seulement pour les cubes et les cubes. Alors, seulement les cubes et les autres objets. Je l'ai programmé pour qu'ils vous amènent directement à la salle et allez-y. On y croit. Alors, instruction 1, placer la cabine de stockage, déposer l'objet à l'intérieur et envoyer la cabine avec le bouton. Ok. Et c'est où la cabine? D'accord, j'imagine que c'est là-dedans qu'il faut le positionner. D'accord, hop, le bouton. D'accord, ça active en fait. Non, on est sur un système de rail. C'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi. Ok. Demander une cabine de stockage, voilà, je demande. J'ai entendu un dispenser, d'accord. Ouh, un minecart. Oh, sympa les minecarts. On va le poser là, on va se mettre dedans. Et les amis, on se retrouve l'autre côté du miroir. C'est peut-être par là en fait. Donc les amis, on se trouve l'autre côté du miroir. Aïe, ok. Hey, qu'est-ce qui se passe? La musique, c'est quoi? Aïe. Ok. D'accord, au moins tout est automatique, j'ai rien besoin de faire, hein. J'avance pas vraiment. Hein. Aïe, ok. Aïe, toujours. Cette musique est un peu angoissante, ça veut dire, oh, tout ce système comme ça. Oh, ah ça, c'est une petite descente. Aïe. Ok. Oh non! Oh, un gros problème, vous auriez dû tourner à droite, quelqu'un a modifié le trajet. Faites attention où vous arrivez. Pourquoi vous êtes à l'endroit des inconnus du centre? Oh, ouh, c'est moi qui fais ça. Vous croyez vraiment que vous allez laisser aller dans la salle et me tuer? Non, mais sans rire. Pourquoi sans rire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Accrochez-vous! Je m'accroche! Ouh. Ok. Ouh, voilà. Je pense que c'est ça qu'il fallait faire. Ok. Oh my god, les amis. Donc, non, mais sans rire, je ne suis pas aussi stupide. Quoi qu'il en soit, vous allez après ces rails, ok, dans un grand puits au fond, au mieux que ça, blablabla, commande, voilà. Donc, on aurait dû mourir, ben on est mort. Heureusement qu'on ressuscite facilement dans Minecraft. Donc, les amis, c'est sur cette petite mort qu'on va se dire à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié ce petit épisode. Un petit like, beaucoup de likes, du partage, et surtout, aperture. Et oui, je n'ai pas d'autre mot. Donc, les amis, passez une bonne fin de journée. C'était Flemousse. Allez, bye bye tout le monde. Bye.